bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur notre Let's Play Shadow of Mordor Middle Earth, premier du nom. On va aller faire les défis d'archers qui se trouvent à droite, à gauche. Finalement, clean un peu ce territoire-ci avant de poursuivre un peu notre aventure. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'on a toujours pas trouvé de Grog. J'hésite à retourner dans la grotte. J'en avais vu un une fois. Alors, dis-moi tout. Tantoruk avec des explosions de fût. Elle est stylée cette mission. Est-ce qu'elle est vraiment tricky ou pas? C'est le truc que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une entourloupe ou pas là-dedans? C'est vrai que moi je charge, je sais pas, mais j'ai pas besoin. Incroyable. Bah ça c'était une mission ma foi toutefois simplissime et agréable à faire. Des tonneaux de grog et jus de tout pété. Il y a des champignons dont on a besoin à côté. Il nous faudra les verres. Pas les champignons verts. Ouais, c'était là où j'étais à l'arbre. Aucun chef de guerre sélectionné, t'inquiète pas. Tout à fait normal. C'est juste que c'est pas mes priorités à l'heure actuelle. Ah bah voilà, il y a des champignons bleus dans la grotte. D'accord. Alors, où est-ce qu'elle m'emmène? On ira dans la grotte. Peut-être qu'il y aura peut-être même un grog. Peut-être qu'il va nous demander d'y aller. Bah il nous demande d'y aller, nickel. Pénétrer dans la grotte. J'attire visiblement. Je suis un appât. Ah, j'ai pas assez d'outils. Merde. Par contre, je suis pas côté de feu en fait. Oh, 48 sur 50. Oh, l'arnaque. Ah ouais, mais j'ai pas fait gaffe, mais normalement il y a une rune. Donc parfait, comme ça je peux récupérer aussi la rune qui est là. Après il y a les champignons dont j'ai besoin. Enfin ça c'est vraiment l'être de lumière là qu'on est en train de compléter
Il reste des zones de lumière à découvrir dans la Terre des Ombres. Allez, il va me rester deux défis de survie. Hein. Quasiment proche de la fin aussi. Ah non, c'est des verts dont j'ai besoin. J'étais sur les bleus, merde. Allez, j'en ai aussi des verts. C'est ceux-là. De Locamars. On l'avait pas encore ce truc là. C'est dans l'autre cavité visiblement. Nice. Alors, nouveau défi, il nous faut de 7 Atelas, donc les étoiles bleues. Bah écoute. Il y en a une juste là. Du coup, on va remonter, faire tout ce qui est là. Regarde un peu la map en même temps. J'adore foutre la merde vraiment, c'est n'importe quoi. Ce Tark est parti depuis longtemps. Alors. Tuez tous les Zoulouks sans vous faire repérer. Marquez furtivement des défenseurs. Un Grook s'est échappé. Quelqu'un doit aller le chercher. Ah, déjà. Nos guerriers méritent davantage que ça. C'est sûr. C'est toujours les berserkers qui nous croquent. Les archers, les boucliers. Ça avait pas l'air d'être des défenseurs, mais c'est plutôt eux. Ouais. Les Caragors ne me font pas peur. Le prochain que je vois, j'essaierai de le chevaucher. Tu devrais te méfier. Rien qu'un seul pourrait être réduit en charpie. Je crois avoir. J'ai bien entendu quelque chose. Il y a eu un massacre ici. Vous avez entendu? Aïe aïe, l'entrée là était pas bonne. Hein. Ah, les défenseurs, c'est pas facile. Après théoriquement si je les envoie se battre. Ceux que j'ai chopé là. Trop d'Ouruk part de sa sorcellerie pour que ce soit seulement des rumeurs. Ouais, c'était sans doute des rats. Au boulot. Quoi que ce soit, il n'a pas osé m'affronter. Restez quand même sur vos gardes. En fait, il y en a un qui patrouille et c'est lui qui m'emmerde. Allez, le choper. Au combat, personne peut faire voler les têtes aussi loin que moi. Mes esclaves ont des petites têtes. Tout le monde peut les faire voler à des centaines de mètres. Vous avez entendu ça? Ah!
Je sais pas ce que c'était. Sans doute rien. Moi qui comptais sur un petit combat. Je suis en train de tous les mettre à ma botte. Ça n'a aucun sens hein, dans ce que je suis en train de faire. Moi, il me demande de tuer tous les Zulus et moi, je suis en train de tous les marquer furtivement. J'ai envie de faire de la merde. Abandonne toute volonté! Oh non! C'est de la merde cette mission. Ok, bon, il faut vraiment pas que. Je peux les marquer, mais je peux pas les utiliser en fait. Je trouve ça con en fait. Genre, te demande de marquer les défenseurs, mais tu peux pas les utiliser. Tant pis, hein. J'ai voulu tester, ça n'a pas marché. Ah, je suis trop le seum. Qu'est-ce que c'était? Ça c'est un défenseur normalement. J'ai bien entendu quelque chose. Ah bah non. Comment ça se fait que tu n'as pas touché à ta viande d'esclave tout à l'heure? J'en voulais pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est la tête de Stark puant. Juste le vent, j'imagine. Et moi qui avais l'âme bien baisée. Ah, quelqu'un qui rôde dans le coin? Allez, viens. Attendez, je sens quelque chose. Faut que je les marque furtivement aussi. C'est juste mon imagination. On trouvera autre chose à tuer, ne vous en faites pas. Ouais, vraiment les défenseurs, c'est le mec avec les boucliers en fait. Enfin, juste une histoire de position ou quoi, c'est vraiment une histoire de personne. Voilà. Et il en reste plus qu'un. Le petit gigolo qui est ici. Hop! Ah merde, il en reste un ou deux postés en haut. Ah, ou alors je suis obligé de tuer. On dirait presque qu'il bouge comme le vent. Un de ces jours, il va apparaître par magie. Et je l'attendrai. Ok. Ça m'énerve que ces humains aient tellement de monuments idiots en l'honneur du roi idiot.
Allez, on va le sauver. 3 esclaves. Avec un défi bonus. Et ça aussi, on sera pas mal. Projeter des rooks dans le vide. Le seigneur des ténèbres est dans chaque rook. Si tu l'insultes, tu nous insultes tous. Compris? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je freine sur le grog. Ma tête me joue des tours. Eh bien, j'espère que t'as raison. Oh, j'ai vu une flèche jaune à côté. Je crois que quelque chose vient de bouger. Voilà. Voilà, on a clean sévère la zone quand même. Aidez-moi. On n'était pas seul. Je vous en prie, retrouvez nos amis. Le problème, c'est qu'il faut que j'en projette dans le vide, mais j'en vois pas quoi. Putain, y'a un mec là. Gorfell. Ah, j'ai personne à projeter. C'est quoi votre mission Répétez, donne-moi une bonne raison. Je sens quelque chose. Je vais te couper en deux. Elle est lâche. J'ai pas vu le chef depuis une éternité. Tu penses que le seigneur des ténèbres rigole? Esclave, qui ne peut pas te faire de mal? Moi je suis là, je peux m'en charger. L'immortel te donne peut-être de l'espoir, esclave. Mais le seigneur des ténèbres... J'ai bien entendu quelque chose. ...s'occuper de vous, bientôt. Ok. Quoi? Vous avez entendu? Y a quelqu'un qui rôde dans le coin? Le seigneur des ténèbres est dans chaque ouk. Si tu tu nous insultes tous. Compris. Ensemble. On est libre. Ouais, j'aurais pu faire comme ça. Ah, j'y avais pas pensé. Répète ça. Donne-moi une bonne raison, prisonnier. Je vais te couper en deux. Mais ouais, j'avais pas pensé à ce rebord-là. Moi, je pense au rebord des ruines et tout, mais en fait, j'ai ces rebords-là, en fait. Tu penses que le seigneur des ténèbres rigole, esclave, qui ne peut pas te faire de mal? Moi je suis là, je peux m'en charger. Ah non, je les ai pas projetés dans le vide en fait. Ah merde. C'était quoi projeter dans le vide alors? Venez par ici, vite. Ah je sais pas. Où est leur seigneur des ténèbres maintenant? Ces immondes créatures méritent tout ce que vous leur avez fait. Merci, Rover. Immortel! Tu vois pas que je suis occupé?
Ne résiste pas. Ah voilà, commandé. Allez, tu vas aller me tuer. Tu me tuer qui? Tu vas aller monter en échelon, hein. Let's go, hein. Du coup maintenant il y a un duel et tout, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en vrai. Que m'importe en vrai qu'il arrive à tuer ou non. Mais au moins c'est histoire de dire que je profite de cette nouvelle capacité qu'on m'a donnée. Et bah nickel. Et bah nickel. Bannière déchirée, des Ungols se sont attaqués à cette bannière pourpre, présentant Sauron. Pardon, le seigneur des ténèbres, et l'ont partiellement dévoré. Il ne s'agit pas d'un acte purement symbolique. Les enfants géants d'Arkhan sont en train de s'organiser contre les Zulruk et organisent des raids groupés pour vaincre ceux qu'ils considèrent comme des envahisseurs sur leur terre. Si une trêve a jadis existé entre ces factions, elle est désormais rompue. J'ai 3000. On va ouvrir un peu plus de concentration. Voilà, je débloque ça. Histoire de dire que c'est acquitté. Ouais, on va aller faire l'autre défi. Ces araignées rampent en dehors des murs. Elle semble maléfique. Les descendants d'Ungoliant. Ils dévorent la lumière comme des affamés. Ungoliant. Tidadidadidaram. Empêcher les lâches d'Uruk d'atteindre le fort de Morn. Immobiliser des Uruk. Je l'ai jamais encore fait. Ah, il y a un... Je vais laisser aller là, on est d'accord. Hein. Ouais, je vais avoir loupé mon truc. Bah ouais. J'étais pas du tout en fait. Pardon, t'attends, moi je voudrais choper le gars là. Morne. Normalement c'est ça là le bestiole que je dois tuer, hein. Ah, je peux pas exécuter. Je crois que je me suis satisfait. On peut en avoir un, une bestiole comme ça, quoi. Parce que lui m'avait l'air vachement costaud quand même, hein.
La reine Maru. Wen était possédé. Ce magicien. Il l'utilisait pour t'atteindre. Il l'utilisait pour bâtir une armée dans le Mordor. Sauron et Saruman convoitent tous les deux le pouvoir. Ah voilà Saruman, putain, chercher son prénom. Il ne peut y avoir qu'un seul. Et j'ai honte d'avoir oublié son nom à lui. Saruman. Les chefs de guerre préviennent de prendre des gardes du corps. L'immortel a l'air de sacrément vouloir les tuer. C'est tranquillement mon boulot et de ce qu'on a plein. Quelqu'un rôde dans les parages. Ok. Ça a l'air vachement compliqué ce temps. Je sais pas si c'est exactement cette bestiole là. Si jamais c'est pas cette bestiole là, mais j'ai pas vu de nouvelles entrées. Pour moi c'est celle-ci. J'ai une flèche. Je pleure. D'aller se prendre à lui en fait. J'ai pas de flèche quelque part. Il est un peu con, j'appuie sur E et c'est suspendu. En vrai, ils lui ont mis cher. Serre-moi. Terriblement. Ouais. J'essaie d'y aller, hein. Putain, mais en fait, le problème, c'est les flèches elfiques. J'étais à deux doigts de l'avoir, j'ai fait le con. J'aurais mieux fait de me barrer, mais en fait, j'avais peur qu'il l'ait. Oh, c'est la merde! Je vais activer Wiimod! Tout est foncé de ce grog de merde. Travailler avec son. Bon, je vais aller chercher cette tour avant de m'énerver. Bon, tu as forgé les anneaux de pouvoir à ses côtés. Nos motivations étaient les mêmes, guérir une terre ravagée par la guerre. Ma faiblesse a été de croire à un mal qui semblait juste. C'est un maître du mensonge.
Qu'est-ce que c'était que ce bruit? J'ai envie de retenter, de réitérer l'expérience en l'amenant. Après, est-ce qu'il y en aura toujours? Parce qu'elle avait pas pour la mission, quoi. Putain de grog, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde qui me demande de tuer? Non, il y en a plus. Ah, j'étais à deux doigts et j'ai paniqué parce que j'ai vu qu'il avait quasiment plus de vie. Je me suis dit, purée, s'il le tue, c'est finito. J'aurais pas. Et j'aurais fait tout ça pour rien. Du coup j'ai pris des risques inutiles et voilà. Allez. Avant mon dernier région. Cette tour. Si elles étaient faites de lumière. Et donc évidemment on a plein de nouvelles missions, nouveaux artefacts et tout. On va aller faire la quête principale. Il se passe rien nulle part. On raconte qu'il se passe pas mal de choses sur la route de 40. Sûrement une attaque de Krog. J'aurais aimé y être. Je préfère encore mourir dans un bon combat. Parmi des millions de roches volcaniques que l'on trouve, les fragments montagneux qui bordent le Mordor, ceci est unique. Il s'agit d'une pierre à aiguiser les nains. Elle est affûtée des haches, couteaux et épées afin que leur lame transperce l'armure d'Uruk, la plus résistante, c'est la peau de pierre de troll. Cette lame tranchante qui coupe la montagne, assure de le dicton. L'utilisateur de cette pierre, tel qu'il l'a été, ne ménageait en tout cas pas ses efforts. Continue de l'aiguiser. Le fer de ta hache doit devenir assez tranchant pour couper un poil de ta barbe en deux. Oh, il est assez aiguisé pour tuer un Krog. Allez, passe-moi la pipe. Assez aiguisé, ce n'est pas suffisant pour la chasse, frérot. Tu dois apprendre à respecter la chasse. Il faut un bon fer pour tuer proprement. Sans respect pour la bête, on ne vaut pas mieux que les orques. Allez, restons là, maintenant. Pardurin, je pourrais prévenir avant d'arracher des poils de barbe à un nain. Regarde ça, Thorvin. Le poil est coupé en deux. Tout n'est pas perdu pour toi. Ce nain ne connaît pas la peur. Je ne sais pas si c'est du courage ou de la bêtise. Ou les deux. Il n'a pas peur de la mort, mais des choses bien pires l'attendent dans le Mordor. Ces tours ne fonctionneront jamais sur des bêtes pareilles. Je me moque des risques. C'est pour le bien-être de la reine. D'un matériel, il ne me semble... Attaquer le camp me paraît peu judicieux. Il est avec nous. Je n'ai pas le choix, Talion. J'ai besoin de cet élixir. Même l'étranger dit que c'est de l'inconscience. Je sais qui elle te rappelle. Et pas toi. Assez! On attaque comme prévu. Moi, je vais m'occuper des orques. On pourrait vous suivre discrètement. On prend le remède et on s'en va. Le magicien blanc a une mauvaise influence sur la reine. Seule la furtivité peut dégager la voie à l'Itariel et ses hommes pour qu'ils trouvent l'élixir. L'émotion t'égare. Prendre des risques inutiles ne sert à rien. Ce remède va libérer l'esprit de la reine et nous apporter des réponses sur ton passé. Puisse la vérité justifier notre alliance avec ces gens. J'ai été attaqué par des gules plein de fois. On s'y habitue à force et on y survit facilement. Ouvrez l'œil! Les esclaves en fuite deviennent de plus en plus téméraires! Ok. La concentration. C'est quand t'essayes de pas mourir. On est tombé sur des enfants. Ça va mort comme. Sire! Je vous dis que c'est des esclaves qui. Je vais chercher l'autre truc si il est en dessous. Et à mon avis, il est plus à l'intérieur.
Faites attention. Ouais. Très bien, bon, on va aller nettoyer cette zone. Le troglodyte m'a dit qu'on avait travaillé trop et on nous donne toute la viande de Caragor. On peut pas dresser le bras qui tient le fouet quand même. Je me demandais ce que tu faisais. J'étais une petite bestie, j'ai attrapé par le bras. Heureusement que j'avais une bonne épée pas loin. Me dites pas que tu l'as jamais fait. Oh, j'ai un os coincé entre les dents. J'ai besoin d'un os pour le retirer. Ouais. On va marquer furtivement, hein. Clairement, cet objectif de la mort. Est-ce que je tombe tout ? Savoir qu'elle prendra tous les risques pour protéger leur reine. Elle sait que sans la clé de voûte, l'arche s'effondrera. Ok. On a déjà fait cet objectif là, bonus. Détends-toi. C'est moi qui les ai faites en traînant les esclaves au camp pour le cuistot. J'aime pas ça. Un chef de guerre a perdu tout la en haut. J'aurais voulu récupérer au moins la rune. Pardon, le souvenir, c'est pas une rune. Quelque chose nous dit qu'il va être tout là-haut. J'aime bien quand il y a des choses tout en haut. Voilà. Ça, ça aussi, on l'a récupéré. Bâton brisé. Une force colossale a brisé ce bâton de magicien en plusieurs morceaux. Taillé dans un jeune arbre, ce bâton noueux servait de bâton de marche, de baguette magique et d'arme à un magicien errant. On ignore ce qui est arrivé à son propriétaire et de la façon dont il a été cassé. Bah, désolé, Luke. Un peu trop fort pour lui. Le plus étrange, c'est qu'ils nous ont dit leur nom. Des tonnes de fois même. Mais nous avons tous oublié. Tous, nous avons oublié. C'était un peu comme s'ils ne voulaient pas qu'on s'en souvienne. Au bout d'un moment, on les appelait simplement les deux Istari. Et parfois juste le grand et le petit. Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai oublié. Je me souviens du plus grand qui nous racontait des histoires d'une ville de gobelins, d'un homme qui pouvait se transformer en ours, de l'époque où... Enfin, j'imagine qu'il s'en fichait pas mal de savoir que certaines de ces histoires étaient à dormir debout ou que d'autres auraient fait pâlir même un cadavre d'effroi. Quand le plus grand est parti, il a pris sa canne avec mais il a laissé un bâton de marche. Il était recouvert d'une myriade de petites encoches. Ça lui servait à se rappeler quelque chose, ça ne fait aucun doute. Ok. Tac. Bon, bah on va poursuivre. Hein. 31 sur 42. Ces magiciens, les Istari. Qu'est-ce que tu sais d'eux ? Leur pouvoir est plus grand que le tien. Je n'ai pas encore été confronté à eux. Saruman le Blanc est le chef du Conseil Blanc. Son savoir sur les anneaux de pouvoir est immense. Quand on tombera sur l'immortel,
Écartez-vous de mon chemin. Ça risque pas, Limas. C'est moi qui le tuerai. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Pourquoi il faut y aller mort avec le sang des Orooks quand un Karagor peut le faire à notre place? La laine du Karagor ressemble à l'odeur d'un homme mal. Il suffit de ramener un Karagor pour que tout l'endroit sente le fumier. Vous avez entendu? Là, le Tark, désarmez-le. Ok. La motivation de 2 sur 3 de fait. Je vois pourquoi les hommes la suivent. Maintenant la question c'est, l'autre elle a l'air un peu plus alignée. On va passer par le dessus. Ça c'est trop bien, en vrai pour pouvoir se déplacer vite et rapidement. Qu'est-ce que c'était? Il fallait qu'il y en ait un direct qui parte. Hein. Un peu énervé monsieur là, j'arrive pas à lui. On va passer par derrière, on va faire ça. Et voilà. Bah voilà. Sans déclencher l'alerte. Ah en vrai ça c'est cool. 36% de chance de récupérer, 30% de concentration, tuer une cible, d'un tir à la tête. Mais en vrai je préfère. En vrai ça, ça peut être pas mal. Mets ça à la place. Et ça, tu te convertis, on n'a pas besoin. Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Oui. Apportez ça à la reine, immédiatement. Je doute qu'un remède humain puisse guérir sa reine. J'espère que ça soignera votre mère. On a trouvé ce message. Les chefs orques vont se réunir près du village de pêche. On pourrait leur tendre un piège. Je vous dois des remerciements. Heureux de pouvoir vous aider. C'est une chance de vous avoir. Ce n'est pas ton peuple, Talion. Souviens-toi de ta femme et de ton fils. Je ne vous retarde pas. Oui. Chaque minute est précieuse. Et ben voilà, le remède, victoire. On voit la force de l'Itariel. Du coup maintenant on a une nouvelle quête tout là-bas. La façon de diriger. Elle transparaît dans le respect et non la peur qu'on lit dans les yeux de son peuple. Très bien. Donc prochaine fois on ira clean. Ceci. Alors là, il faut drainage en combat et éradication pour accéder à la légende de l'épée. Éradication, c'est ça. Mais du coup, je sais pas encore le dernier niveau. Ah, j'ai drainage. Ok. Donc prochaine fois, on ira faire ça, chercher les deux là, on fera ça et ça, et on remontera du coup par là. On ira d'abord chercher la tour, puis ensuite on ira faire ça. Gros gibier et le sauvetage. En vrai, c'est pas trop mal. Hein.
On arrive sur la fin. Petit à petit. Là-bas, ça va vraiment être le bordel. J'ai pas envie. Ça va être la même chose qu'ici. Ça va être du grand n'importe quoi, là. Ah là 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 là. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à mettre de j'aime. N'hésitez pas à commenter. Allez chercher. Pardon. Allez voir, pardon. J'étais en train de penser à aller chercher la plante et du coup, j'ai sorti vidéo. Ce que je pensais. Comme quoi, je n'arrive pas à penser à deux choses en même temps. N'hésitez pas du coup à aller voir les autres vidéos, mettre un j'aime, commenter, etc., etc. On se donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Middle-Earth Shadow of Mordor. Je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao.